témoin, potez pour, café chaud. Yon matinal concentré, 100% pur jus pour plonger en actualité haïtienne. Pour faire politique, il faut faire du politique. Politique, économie, société, invité, café chaud. Sorti lundi pour arriver vendredi, 8h pour 10h du matin, café chaud. Senti bon, tout chaud, sous 93.5 FM. Bonjour à tous. Café Show, c'est émission ça qui entre la caillou. Et comme chaque matin, nous frappons partout pour entrer avec une émission qui que nous toujours souhaiter cap accompagner pendant la journée, cap lancer en matinée pleine de motivation pour vous-même qui souvent besoin des émissions assez différentes de ça que généralement yo proposé dans le paysage médiatique là. Café Show, c'est avec Marcus Kola. Et moi, très content là, ensemble avec tout le monde qui d'abord dans le studio. Parce que là, assez originalement, on a commencé avec son ton très sport matin, puisque Haïti n'a pas taille pita à partir de 10h. Alors, 22h, Haïti jouera face au Mexique. Donc, ça veut dire que si nous obligés de mettre un petit cal de côté, ou bien pour l'instant, les actualités politiques là, société tout ça, pour nous qu'a écrit une page sportive dans l'émission bien avant que nous entrions dans politique là. Déjà merci à Samuel Pierre qui ferme au poste, qui a coordonné pour nous-mêmes toute manœuvre technique, c'est lui-même. Et merci à Stanley Leon qui a font une interaction ensemble avec nous pour vraiment aider dans l'actualité sportive là, aider par rapport avec page sportive ça que nous voulons écrire pour Haïti qui n'a bataille la sélection nationale qui s'opposera à El Tri, c'est comme ça qu'on nomme sélection mexicaine. Café Show, c'est comme ça. Avant-dernière édition, nous poussons maintenant. Jeudi, c'est jeudi 29 juin 2023. Nous avons eu de l'autre ami au bout de la ligne. Mais bien avant, quittez-nous saluer Stanley Leand. Stanley, comment est-ce? On connaît depuis Haïti dans la bataille. Il est normal que vous partagez et moment ça ensemble avec moi. Donc, nous pas qu'à quitter l'actualité sportive là. De côté pour nous entrer dans la politique là rapide. Bonsoir, bonjour Marcus. Bon, m'habitue dans bonsoir ici dans Gold Cup et 40. Oui, depuis hier soir là tout. On commence le beau jour. Bonjour Marcus, bonjour avec tout auditeur et qui toujours prend plaisir pour suivre Café Show. Nous content ensemble avec yo, Jean-Claude Dillan, matin là et nous on va parler de Haïti dans premier tranche parce que Haïti dans bataille. Oui, Haïti en bataille et dernièrement, un exercice très simple que m'ai fait après match haïtien face au Qatar. On se le rappelle, Haïti qui avait dominé le Qatar 2-1 avec quand même des réalisations de Duke Nazon et Franzi Pirou, deux habitués, deux buteurs patentés pour la sélection haïtienne depuis quelques temps. C'est Nexa au Cap fait causer dans sélection. Hein. Qui t'est dominé le Qatar suite à succès ça nous t'ai parlé avec deux amis au bout de la ligne c'était James Laurent que nous pas forcément capable le matin et puis gagné Papin Jean-Pierre zami moins qui t'est parlé ensemble avec moi naturellement nous pas gagné pour nous retourner avec Papin Jean-Pierre mais là cette fois c'est pour des commentaires d'avant match parce que affiche Haïti Mexique là c'est pas n'importe quelle affiche Haïti croise à Mexique plusieurs fois Stanley pour gagner vraiment le privilège pour lui communiquer quelques statistiques pour nous voir qui gens affichent là les
au vu des stats disponibles et par rapport à contexte là tout, puisque Haïti fait 3 points déjà, Mexique fait 3 points déjà, c'est deux équipes qui dans le même groupe, qui a pas le besoin et météo dans l'autre niveau ou bien conforter position yo dans perspective deuxième tour déjà. Donc ça veut dire extrêmement important match à Soya. Donc si Haïti calé la bien 6 points et la peut très important pour sélection nationale là. Oui, Haïti qui pral jouer 11e match li contre Mexique dans compétition officielle, moi pas effet cas de match amical. Eh bien, équipe haïtienne nan qui fait 2-0 contre 8 défaites dans 10 matchs que joue contre Mexique. Haïti qui pas battre Mexique dans les affaires et compétition. Eh bien, c'est pour le 3e match Haïti contre Mexique dans nouvelle version Gold Cup lan. Et première fois que Haïti tape joué contre Mexique dans Gold Cup et n'a pas eu de nouvelle version, hein. C'était yon 19 juillet et 2009. C'est en quart de finale. Les Mexique te battent Haïti 4 goals à 0. Et deuxième match, son Gilles, c'est en 2019, dans la demi-finale. Équipe mexicaine a été battue Haïti 1-0. Laissez-nous rappeler, première fois que Haïti jouait avec Mexique, c'était dans l'éliminatoire Coupe du Monde, et Coupe du Monde en 1954. C'était en 19 juillet 1953. Et bien, Mexique était sans pitié pour Haïti. Il a battu Haïti 8 goals à 0. Ça très bien, Stanley. Nous avons battu Haïti. Nous avons battu Haïti. Pour nous plus ou moins garder statut, parce que statut dit en pile. Ouais. Sous histoire équipe, sous destin ou naturellement tout, parce que le voilà bord d'un adversaire, ou obligé de garder statut pour connaître comment vous comporter. Naturellement, et nous ne sommes pas seuls, puisque au bout de la ligne, et Pape Jean-Pierre Zami, moi, et qui t'a doué, alors qui prend le parler ensemble avec nous, et impression, lui, bien avant que match a fait. Pita, et nous connaissons un gros sacrifice, puisque lui-même tout, gagne émission, dans et Magic 9. Pape, bonjour. Bonjour, Marcus, nous sommes. Et Papin, est-ce que t'as nous bien là? N'a pas essayé, oui, balancer et pour nous capable mieux parler avec Papin, on a continué et Oui, on t'a dit que plus récent et on capable dit Mathieu, c'est deux défaites. 2009-2019. Oui. Et 2009, Haïti, c'était 4-0. 2009-4-0. 2019, c'est 1-0. Nous sommes ça, demi-finale. Et Raoul Jiménez sacrifie nous. Litigé. Hein? Mm-hmm. Donc, Papin qui est revenu. Papin, bonjour. Et nous avons regardé ça. Nous avons le premier temps, mais nous avons pas presque attendu. En attendant que le problème technique ça résout, et oui, en avancé. Bon, et on t'a dit que l'équipe haïtienne là, elle a toujours gagné difficulté et pour le jouer contre Mexique, même dans match amical, ben n'ont pas battre Mexique voire pour en compétition yo et même les nous t'a encore plus belle prestation de fait contre mexicaine là, l'en défait nul et c'était dans notre Coupe du monde 1974 là, et bien Haïti qui t'a fait un match nul contre Mexique, mais après ça nous souvent tombé contre mexicaine. Ok, et Papé, bonjour. Est-ce que là, niveau quoi là? Donc, ça veut dire que c'est une formation à craindre. Bonjour, Papé Jean-Pierre. Là, je pense que c'est bon. C'est ok, on nous parle bien là. Bonjour, Marcus, vous recevez bien? Oui, très bien. Ok. Papé Jean-Pierre, Haïti-Mexique, et bon, je ne sais pas m'obliger à faire une mise en contexte encore, puisque nous tous, nous déjà dans le bain, nous tous avons un match là. Impression, bien avant que il y fait 9h du soir. Bon, 10h du soir. Bon, oui, bon. Nous ne pouvons pas commenter à 9h. Alors, à 10h, nous avons juste un match là. Bon, oui. Faut que je si nous regardons sur l'histoire des pays dans la confrontation, nous n'avons pas aucune chance. Mais c'est ça qui fait beauté football là, les qui ont un adversaire pour jouer avec qui est théoriquement plus fort que ça, et puis ou gen moyen, gen stratégie, gen tactique ou capable d'utiliser pour essayer de supprimer l'adversaire ça. Donc en soi, on pense contre l'équipe mexicaine, nous pas gagné en tradition qui favorable dans contre football mexicain, même si nous acceptons mesdames qui en février 2022 qui débat Mexique 3-0 et Violette récemment qui bat Club Léon de Gaulle 1-1.
football mexicain son football qui toujours indigeste avec le football national là. Et les n'a regardé sélection mexicaine qui est en période transitoire, qui gagne un nouveau sélectionneur. Pour dire Haïti aujourd'hui a une possibilité pour faire un coup. Mais puis la possibilité de faire un coup, ça fait venir gagner la grosse tête, tête enflée pour nous comprendre que nous gagnons temps c'est rival direct sélection mexicaine là pour nous à l'aborder match là avec arrogance, parce que si nous jouons avec arrogance comme quoi Mexique en transition nous capable profiter de batterie là, nous capable faire 10, nous capable faire d'aller porter bourré café, nous capable couler avec main même quoi avec des bonnes stratégies de bonne disposition tactique et au niveau de conscience et confiance tout capable permettre Haïti font bon résultat aujourd'hui. Donc je vais parler là et ça va se jouer beaucoup plus et au niveau mental et comment pour nous retenir le match là mentalement et pour nous prendre sans arrogance avec un peu d'humilité et les gestes simples et pour nous capable peut-être plus efficace face à la sélection mexicaine parce que Mexique et même si la transition il était dans la même philosophie là. Mexique même si on dans son équipe qui est en transition, son équipe qui démarre le match là très fort. Comme l'a démarré Mathieu très fort, et le bras non enceinte comme si dans Arizona, par rapport avec la communauté mexicaine qui est en pile États-Unis. C'est vrai, comme si c'est à domicile, nous connaissons, nous-mêmes, nous toujours démarrer match plutôt timidement. Donc, début des matchs, c'est extrêmement important. Faut que nous avons un bon niveau de concentration maximale. Et faut que les joueurs, nous, tout, nous, bien en place. Faut que nous capables de faire des Mexique, supériorité numérique, en couloir. Faut que nous capables de faire densité dans. Et ça que fait moi-même, contrairement avec un pile monde, moi-même, peut-être que c'est seul haïtien, qui, je dis à pas faire doublette, nageant, ensemble avec Pierre-Oua, moi, estimer le type de match que moi-même, non, j'aime comprendre l'île, t'es capable d'aborder lui. Évidemment, pas entraîner, moi, loin pour m'entraîner. Oui. Mais, moi-même, moi, pas faire doublette, nageant, Pierre-Oua, je dis parce que me pensais qu'on l'a déjà capable de trop, je dis à par rapport avec l'adversaire, n'a bien devant nous. Et, justement, et ça a attiré curiosité, m'papi, puisque, dernièrement, là, m'a fait match avec Rico Saint-Sil et Stanley, m'te dit, m'pas forcément, ouais, deux necks à au titulaire. Et, bien que moi-même Wally et beaucoup ouais comme Ambral et créer sept avec Carnegie hein. Mais en même temps m'a dit tête moi au vu des stats individuelles parce que le regard de Carnegie dernier moment avec sélection yo monsieur très important monsieur très intéressant oui. Même si et il y a un petit difficile tout pour pas mettre nazon par rapport à ça l'a fait avec club li en Bulgarie en même temps tout Franzi Pierrot par rapport à importance si tactiquement ou dit tête tout bon il est pas facile que ou entrer dans modification et yo chaque pour raison pas yo mais ou même et t'ai osé soulever question et là mon petit j'ai conforté par rapport à vie pour là tout et suivant ça qu'a venir là soit penser qu'a venir là qui je t'a fait est-ce que qui est-ce qui t'a fait les frais moi me dis clairement mon cher moi même honnêtement je dis à ces pieds qu'a fait les frais pourquoi ça ces pieds qu'a fait les frais. Je considère Mexique, même si vous avez son sélection qui est en transition, même si Aïe Lozano fait venir, même si c'est vrai seulement deuxième match, même parti sous base Mexique, c'est lui-même qui a des possession de balle là sous nous. Nous parti sous base Mexique a venu prendre nous haut. Comme Mexique a venu prendre nous haut, dans deux, certainement, a des espaces. Par contre, quelle équipe qui a voué sous la tête, pas quitter espace dans deux. Pour nous exploiter potentiel espace qui a venu dans deux sélections mexicaines là, faut nous gagner des joueurs qui rapides, des joueurs qui vifs, des joueurs qui excellents en transition. On a fait ça, on n'a pas besoin d'être coupé, parce que Pierrot, avec structure physique, il n'a pas gagné vitesse d'exécution, Pierrot un peu lent. Donc, moi-même, je dis, on n'a pas forcé mis de terrain dans le troisième monde, parce que clairement, on va démarrer contre Mexique avec seulement deux joueurs défensifs dans le terrain et quatre monde offensifs. On n'a pas forcé mis de terrain avec un troisième monde, et on a décalé de Etienne à gauche, on a quitté Fafa Pico à droite, parce qu'il est beaucoup plus travailleur, et on a pété Nazon en pointe, parce que Nazon, même si il n'a pas gagné structure physique, Pierrot a voulu jouer deux au but, mais comme je dis, on n'a pas trop besoin de jouer deux au but, avec plus transition, on a voulu chercher, Nazon beaucoup plus vite et beaucoup plus technique, Nazon beaucoup plus créatif qu'on était avec Pierrot, on a opté pour choix Nazon, plutôt que Franzi Pierrot aujourd'hui. Bon, et ou t'as bien en pile dans la profondeur, dans le sens tout, parce que il y a des appels qui t'habitent si lourd. Mais Nazon, lui-même, tout, il est très à l'aise, il a besoin de monde qui vous fait mieux pour lui. Oui, Nazon très à l'aise, il a besoin de monde qui vous fait mieux pour lui, mais je dis à la tout, est-ce que Nazon, comme il est gauche là tout, est-ce qu'il va pas poser problème contre une équipe de comédie côté majoritairement pour aller boule là tout? Parce que Nazon, comme il est gauche là, le bon, c'est là, il nous vient boule là, mais là, tout le temps, nous pas boule là. Nous avons des véritables travail dans le couloir. Faut que nous ayons de bons travail dans le couloir pour ne pas concéder des situations de priorité numérique. Donc, James Laurent, mettez au pas parce qu'après Papin, nous caprons. Et, bonjour, et Papin, on nous tout fait équipe là, même si vous dites ou très loin,
pour entraîneur, même qu'on est ça, c'est de la fausse modestie. Sylvie, nous apprenons, parce que Papin, c'est pas n'est pas raté, gros opportunité. Être un sélectionneur, c'est bon bail qui vient pour n'importe quoi. Bon, bref. Et, ou pas tapement une bonne défense, là? Non, défense, gardien, début de défense, si je m'en apprends. Ça veut dire que, ou toujours dans Alexandre, ou toujours dans Alexandre. Mais tout est là, ou toujours dans AD, ou toujours dans Carlens, ou toujours dans Alex. Alex Junior. Alex. Oui, et maintenant, ou parlant dans les Jean-Jacques avec, avec Brian. Dans les Jean-Jacques Brian, Calfred Sainte, comme ça me d'abraser. Calfred Sainte, qu'est-ce qu'on a à Sainte, à son inamovible, papa. Et puis, à droite, Fafa. Fafa Pico, à droite. Et puis à gauche, Derrick. Derrick Etienne. Et puis devant, c'est... Duquesne-Nazon. Oui, je partage l'innocence parce que là, vraiment, gérer transition. Hein. Oh, oui. Comme gérer transition. L'équipe parle d'une portée bourrée comme ça et puis vous ne pas préparer une transition. Beaucoup, il y a six sélectionnaires. Six sélectionnaires. Il y a moi-même qui vont être gens lâches. Moi, je prends Mexique. Sélectionnaire lui-même qui connaît jouer lui. Qui connaît l'équipe qui fait préparation. Monsieur, je dois dire lui-même, Mexique, pas grand, pour le faire le peu. Et puis là, vous voyez qu'il y a 4-2-3-1 ultra offensif qu'elle a fait. Ça n'a pas prévu, monsieur, faire le conseil. Mais est-ce que là, si vraiment nous étions dans la consigne, nous avons une application stricte, nous ne nous pas quitter déchets, nous ne pas quitter fioritures, est-ce que nous ne pouvons pas vraiment imposer ça sur Mexique, je dis à Ibatli? Nous sommes capables vraiment imposer, mais là, on est d'accord avec quelqu'un qui est obligé de travailler plus. C'est vrai, c'est pas en Paris, ce monsieur, mais son on est tout, là, on pas pour là, qui pas balle pour garantie pour venir gagner, on ligne de trois dans mi-temps terrain. Les Gétiennes, laissez lui-même au gain, on a toujours une ligne de deux, et puis lui-même, lui, pour contenir, parce qu'il pas pour jamais gagner volume de pousse pour le capable de mettre le bon côté, l'autre deux demi-défensifs, pour capable boucher mi-temps terrain, ça pour forcer l'adversaire à prendre couloir. Même si Mexique utilise le couloir en pile, mais tout le monde connaît sous, je ne peux pas passer dans le couloir, ou plus envie pour passer dans l'action, parce que l'action va plus garantir pour faire là. Donc là, moi-même, j'ai essayé, vous avez mis dans le terrain, forcer Mexique pour prendre des rois, pas de m'a fait bloc en coulisses rapide, mais ça m'a donné pile travail séance vidéo, certainement que le staff sélection national l'a fait, parce que quand même, il faut que les gens qui jouent dans le couloir aujourd'hui, les Fafa Pico, les Derrick Etienne, dès qu'on a profil équipe maintenant, les gens qui font le travail en pile. Oui, très bien. Et papa, est-ce qu'on pense que, bon, ça va être la dernière question en tout, est-ce qu'on pense que et Pigotes là, c'est Mexique? Bon, parce que quand on est Mexique, États-Unis, c'est quand même les ténors. Et... Mon cher, moi, j'ai un problème avec Gold Cup. Ça m'a jamais compris comment faire équipe ça, même ils ont décidé à jouer équipe B, équipe mix, ville de compétition. Et comme son Coupe d'Europe, d'avoir fait l'Allemagne décidé de jouer en équipe B, l'Italie décidé de jouer en équipe B. Je ne comprends pas l'irrespect ça à l'égard de compétition, bon côté ténor ça. Je ne comprends pas parce que j'ai estimé niveau A, c'est faible. L'opre 5 kips qui prennent 6 goals dans les Américains, je ne sais pas si c'est sous ça basé, mais normalement, je ne comprends pas comment faire gagner toute une espèce à côté de l'équipe ça, nous faire des choix pour passer des cadres qui ont gagné dans la sélection. Même parce que Mexique là, c'est vraiment un gros test, parce que Mexique, même elle pas bon, même elle est moins impressionnante sur le plan international, côté dernier temps, aux États-Unis, bah, souvent, Mexique était Mexique, et nous-mêmes, nous sommes une équipe qui est difficile pour nous, nous ne pouvons jamais battre. Je dis à Sinda, c'est test ça. La poké, mais si nous passons avec lui, vous avez dit nous gagnons, c'est vraiment très bon pour moral équipe là pour cette compétition. Parce que l'Engade, c'est vrai qu'il y a une autre équipe comme si, qui est plutôt impressionnante. Jamaïque, bon attaque, ou capable de son attaque première ligue avec Demarek, oui. Michael Antonio, Léon Bailey, j'avais dit son attaque de très haut niveau. Mais Haïti lui-même, si nous passons cette perspective là, nous sommes capables de grandir en confiance et nous capable de gagner plus conscience de moi et nous tous pour cette compétition. Merci infiniment papa, mais demain là faut disposer un petit caleçon toujours parce que si on parle avant. Demain m'a gagné plus de bout parce que demain c'est pas le travail. Eh mais OK, donc si on parle avant, faut nous parler après. Non, pas de problème. Merci infiniment papa. Enfin, Marcus. Yeah, oui, moi t'as dit sous aucun prétexte gagner deux joueurs dans l'équipe ou pas comme rien. Et moi pas songe un jour les Barcelone qui te gagné Messi Nigma ak Suarez là que entraîneur a te choisi man un dans trois monde ça. Franzi Piero c'est un des meilleurs joueurs que nous gagné et pour moi après Duquesne-Nazon c'est meilleur joueur que Haïti gagné qui répond présent dans grand rendez-vous yo. Dans le Gold Cup, monsieur répond présent avec Haïti. Moi-même, j'aime retirer Franzi Piero sur aucun prétexte pour mettre le souban. Son joueur qui est figé dans la de préparation. Hein? Nous, on est Mexique qui joue au football de possession. Il y a une équipe qui a joué au football de possession, Marcus.
l'on avançante qui rete dans soirée de préparation qui pèse qui mette pression sur yo li intimide défenseur yo ça fait que défenseur yo pas à l'aise pour monter ballon et puis Franz Bioto qui de retaille monsieur gon bon jeu de tête. À n'importe mon ballon qui a balancé en train de coûter de Frenzy Pierre ou le goal. Quand ça ballon qui a fait maintenant col tout le goal, bah, son monde. T'as le, mais ou même qui position? On pense que faut qu'il arrête les mêmes gens. Alors, non. Nous pas moins 7 en attaque là. Non, attaque là, pas moins attaque. Vous pensez que aujourd'hui, nous n'a bien plus chance avec Frenzy comme avançante? Et pas plus chance avec Frenzy comme avançante, non? Frenzy Pierre, c'est pas un monde. Pour pas so même des douces login Neymar Messi Suarez il va jamais une là-dedans yo oui, non, dit, mais, si n'importe la comparaison tout non pour Haïti ou pas comme monde ça yo OK et monde ça yo intouchable OK si on sous cap au tapement peut-être comme Pico monsieur fait venir dans l'équipe là ou tu as peut-être moins pas seulement que expérience la beauté de ça non monsieur son joueur oui ça c'est pile ça c'est bon pile même pas penser que faut au moins Pico surtout dans phase ça côté n'a besoin et transition monsieur rapide et monsieur capable même pas d'expérience là et non mais ça qui porte connia et ça qui faut rien oui bon oui et bon on nous garder qui ça James et Laurent penser lui même bon James Laurent faut comprendre ça parce que ouais là ses amis on est qui aller n'importe là il va besoin de rendez-vous avant bonjour James c'est Laurent si nous te parle et suite à succès Haïti à face à Qatar, bon c'est que on Haïti Mexique faut nous parler avant et même parler après. Donc c'est dans ça bon c'est important pour nous une conversation matin avant match football ça. Bonjour James. Salut Marcus, salut Samuel. Salut tout auditeur le témoin. Bon, c'est toujours un plaisir pour me parler n'importe quoi là mais encore plus sport avec vous. Nous avons des papiers là que moi pareil tout dans toute approche papier mais ça dit vraiment très très sensé. Ouais. Donc qui ça qui point de désaccord yo et gain des côtés effectivement ou du gain des réserves. Qui gens ou exprime réserve yo. Moi pense que c'est Jean l'autre ami d'Abdillah là. Si nous on pas gain l'autre possibilité qu'a évoluer, moi t'es capable de penser jouer à Nazon ou Pio. Là, nous gagnons deux meilleurs joueurs offensifs, nous. Là, est-ce que le football haïtien, hein, depuis que nous allons jouer contre une équipe qui gagne qualité, nous allons oublier de faire un choix là, ou bien jouer à Pio, ou bien jouer à Nazon. Ça veut dire que cette histoire de perspective. Est-ce que nous sommes capables de jouer avec les deux ensemble? Dans des gros matchs, c'est pas évident. Et en songe, équipe, en songe, deux messieurs, ça, tout dernier bon match que nous jouons, tous les deux souterrains, là, oui, moi d'accord avec Pape, côté que aspect stratégique question, hein, parce que nous pas bien ballon en plus. Là nous gagnons l'eau, nous capables de profiter sous vitesse plus que n'importe autre bagaille, parce que à grimper le terrain pour couvrir. Dans ce sens, tactiquement, moi d'accord avec monsieur. Mais qu'on est là, nous pas quoi équipe là seulement pas de la qualification ça, pas la situation ça. Moi je pense que faut que nous fassions, oui pour matcher ça, analyser, mais faut que nous fassions tout pour après. Comment Haïti gagne un 3 ans très important là, qui est capable de déboucher sur d'abord Ligue des Nations? Si nous finissons top 4 Ligue des Nations, nous parlons de la Coupe América et nous parlons de la Coupe du Monde, nous avons une possibilité là pour aller jouer la Coupe du Monde parce que vu avec Canada, Mexique, États-Unis, pas de l'inventoire là. Pour là, est-ce que nous obligés d'hypothéquer chance de valeur en attaque que nous gagnons? Tout le gros machine va jouer, c'est ou bien le pied ou bien le lazo. James! Et supermettre moi ça les purement stratégique par rapport à un match mais nous tout connaît que nous devons entrer dans un process pour nous comme si chita complicité dans zone Vieroa quand même et donc on bien garder perspective là garder le jeudi et demain après demain nous pas qu'à si nous allons jouer un gros match automatiquement pour nous chercher vitesse ou bien équilibre question hein, nous obligé c'est une autre même parce que deux joueurs ça yo en termes d'efficacité en termes de poids placé pour la sélection hein. On va surnom que on monte à commencer avec une ou l'autre. Même là que on a cherché, il y a un aspect stratégique, il y a un aspect technique qui est capable d'une gueule, d'une baoul. Mais même parce que globalement, c'est organisation équipe là, dans élaboration, mais surtout dans récupération. Hein, qui vont favorable avec mes éléments nouyo et 10 mes éléments nouyo de monsieur Sayo. Oui, et vous connaissez un élément qui illustre parfaitement et qui bon raison tout sous point ça, c'est deuxième goal face à Qatar là. Exactement. Ça veut dire que, ouais, effectivement, que le ballon passait par la zone pour atteindre Pio quand même. Non, moi-même, je ne pas concevoir ici nos matchs clés sans de M. Sao. Parce que n'a pas parlé là de deux joueurs qui fait l'Yorifel
et moi-même oui moi j'ai un déficit avec Pierre non pas un joueur déplacé rapide mais mon cher Gemma il a porté pour moi notamment jeu aérien parce que imaginez nous là nous gagner quelques fois dans le ballon yo nous font attaquer plus ou moins placé nous capable postuler par des centres par latéral nous yo le ça Pierre vraiment c'est joueur qui répond plus avec aspect ça dans jeu là moi je préfère regarder Samgué tout à l'heure Samgué de bon plus que moins oui ma on match football c'est stratégie c'est ça gagner et c'est ça adversaire gagner pour essayer contre contrer mais moi je n'aime pas diminuer la force moi en attaque parce que sous point que okay. Pour même pour même et attaque la force ou et c'est celui pour capitaliser quand on est à dire et par exemple une équipe sans attaque et défense c'est un projet lié c'est un tout. Moi, parce que l'équipe a déjà montré à deux nexaux, même que pas une photo en carte avec Mexique, mais l'équipe a gagné une organisation, le ballon et le pas ballon, hein, qui a assez ordonné, évidemment, a capable de gagner un pile amélioré dans la récupération. Parce que c'est une équipe qui fait un bloc médian, n'a besoin plus de coordination, parce qu'il n'y a pas d'entraîneur qui est seulement sur le match. Il va la bonne attaque tout. Moi, je crois que ça, moi-même, sous point ça, je ne parle pas parce que je crois une force équipe ça, c'est deux messieurs ça. Maintenant, et qui ça, ou sous ta gueule pour changer? Qui soit à changer? Est-ce qu'il faudrait changer quelque chose en attaque? Et au milieu, et en défense, bon, en défense, c'est très difficile, bah, comme on voit le main là, et encore plus en attaque, mais maintenant, c'est, ça va être au milieu quand même, et c'est là à changer. Sous ta gamme pour changer, peut-être. Changement m'a de faire, hein. M'a pas sûr pour demain, m'a pas sûr pour jeudi, parce que qui ça a de changement? Moi-même, je ne parle pas de football particulièrement, je ne parle pas de football, mais moi-même, je crois l'équipe prend le ballon. Comment m'organiser l'attaque là? L'équipe prend le ballon. Comment me chercher récupérer le ballon? Mais il y a un déficit qui a gagné, c'est le nous ballon. Nous commençons à jouer dans la zone élaboration, dans la zone création. Nous pas gagné un joueur, nous avons commencé pour le match, nous profil ça. Mais comme c'est ton équipe qui a fait la transition, moi, je crois que ce n'est pas obligatoirement pour nous toujours gagner. Mais devant le Mexique, nous parlons de la situation côté Mexique, j'ai pas fait des détails là. Il y a pressé nos pivots. Et là, ça, on a besoin d'un joueur qui gagne un sens de créativité, de conservation, qui est capable de le plus. Et dans le double pivot que nous gagnons, il n'y a pas de qualité, ça, malgré que Calfetinte, c'est un joueur qui gagne une technique qui est mieux. Vous comprenez? Oui. Même parce que le vrai changement, c'est un Bayern ou bien Calfetinte. Est-ce que le pata mieux pour mettre un joueur qui est créatif devant eux? Parce que. T'as pour qui est? En nous mettant un nom sous lui. T'as pour qui est? Par exemple. Non, parce que les clair. C'est dans le Jean-Jacques. Pourquoi le Jean-Jacques, c'est le meilleur milieu de terrain haïtien qui est dans le moment. C'est le plus bon milieu de terrain que nous gagnons. Mais par contre, il n'y a pas de jouer match là et qu'il n'y a pas de travail. Ça veut dire que, super maintenant, et James, pour nous commander plus bien, ça veut dire que au moment où t'as fait un triangle dans le terrain, où t'as mettre Danley devant et Calfred avec Brian. Et ça ne va pas faire tout. Parce que comme tout, c'est compliqué. Contrairement avec tout le monde, je n'ai pas un problème qui est à l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est vraiment pas un problème ça. Si vous comptez pas d'accord avec vous, là, oui. Bon, ça va arriver. Parce que ça qui fait ça, moi, je me dis que vous changez la zone avec des places. Bon, là, ça, et qu'il n'a pas de même configuration. On a 4-4-2. Et entraîneur a besoin, joueur capable de défendre des défensifs, pour lui capable automatiquement déclencher l'attaque là avec vitesse. Et Nazon sont les tiers techniques, mais Nazon, ce n'est pas un joueur qui vient caractéristique ça. Oui, il parle vite. Oui. Si on a des centaines à le faire à moi-même, moi-même, vraiment par contre, dès que tu es dans la position. Moi-même, parce que globalement, je ne peux pas changer rien. Je ne peux pas changer rien. Si toutefois que ça va marcher, m'apprécie Brian Alcéus pour me mettre dans le Jean-Jacques. Mais ça, moi, pour le match, moi-même, moi, préférer bail groupe ça, bail on ça, un deuxième match avec plus de entraînement pour être capable de jouer plus de coordination dans deux parties. Donc, ça veut dire exigence là, c'est dans question chercher cohésion dans le terrain. Exactement. Pour moi, c'est ça que je cherche. Et si je mets dans la zone, on ne peut pas dire à zéro, non, mais on ne peut pas mettre qu'une créativité dans l'axe.
Mais là, faut que t'as une exigence de propreté dans l'action d'Eric Yoto. C'est là. Derek, c'est ça. Derek, c'est tout ça, le gain de bon. Mais nous, on croit que Derek va bon tout. Voilà. Vrai choix, c'est à pas mettre du tout. Parce que si on a demandé pour jouer à l'aile ou bien. Mais ça ne va pas avoir un axe, ça ne va pas avoir l'aile de nous. C'est toujours le même déchet. Oui. Ouais, même ouais. On préfère mettre l'axe parce que disponibilité, jeune, capable de faire un lien mieux que n'importe l'autre monde avec deux milieux de terrain et attaque là, ça ne m'a pas besoin de nazon. Okay. Ma nazon n'a plus zone de finition, contrairement avec monsieur. On petite question, peut-être que vous avez fait observation même j'avais James. Quand tout le monde a regardé K et Derek là, il y a des gens qui pensaient que le problème se trouve au niveau mental, il y a des gens qui pensaient que c'est purement technique. Qui ont le problème, monsieur, que autant de déchets, même j'ai capable de gagner pile brio tout. Donc c'est un jeu assez paradoxal. Et qui ont évalué, qui ont observé et joué ça? Bon, on ne dit pas intelligent. Parce que c'est qui ça qui est dans la vie. Il faut qu'on force, il faut qu'on faiblesse. Et pour moi, il y a une barre qui va commencer, une qui remet Vinicius en pile. Jouer à vle, apprendre le livre, le travail. Mm-hmm. Dès que c'est un gain, il y a des déchets ça trop longtemps, pour ne pas se faire une amélioration. Je ne pas dire que c'est un joueur qui est très efficace, non? Mais au moins, c'est capable d'améliorer la question de finition. Monsieur, toujours, pour moi, c'est un joueur qui va travailler mm-hmm. personnel, individuel, parce que rater goal, réflexe des vacants. On va tourner la situation ça. Qu'on y a là, les joueurs, à vle, pas être défi. Est-ce que son joueur qui ou elle, qui a joué en Europe, qui a joué dans un bon niveau, et les ça, il n'y a pas assez de temps en temps, arriver devant Gola, pour être Gola. Qu'on y a là, travail personnel, monsieur Bafel, peut-être que tout, il va être rentré dans la carrière, qui vous dit, mais qui ça, parce que les joueurs, c'est pas forcément lui-même, non, qui commence à faire travail personnel, si un entraîneur qui est orienté, peut-être que je vais pas une ça tout, mais de manière personnelle, tout, il est clair que monsieur, pas améliorer si toutefois que il va faire travail personnel. Très bien. Et vous pensez, je te pose des questions avec Papin. Bon, comme vous avez écouté, vous dites ça, vous tendez le tout. Vous pensez mm-hmm. pense que c'est plus gros Tesla, même si et, à côté, vous avez gardé Jamaïque, vous avez gardé des atouts que vous avez, des joueurs que vous avez tirés dans la première ligue, mis à part et considération sous Jamaïque, vous pensez que c'est plus gros Tesla, Mexique? Moi, je connais une compétition, ça. Jamaïque et Mexique, c'est eux deux à qui. Que des membres de mon coup et que ils supérieurs nous totalement. Canada un peu, mais Canada sans trois vœux d'être lié, moi trouvé que son équipe qui va gagner même force de frappe là. Mais ça, moi, n'a pas eu match, c'est moi-même, moi, tout match honnête. Moi, je pense que Jamaïque et États-Unis, plus Mexique en termes de contenu, mais l'équipe mexicaine, ça, mon cher, malgré, moi, c'est dans une situation là, après, ils voulaient prendre une revanche, et notamment là, dernier résultat n'est pas bon. Et généralement, les Mexiques blessés dans la zone, ça, Mexique, on fait des gars. Eh bien, ok. Et merci infiniment, James. Et n'a pas parlé demain. Je souhaite vraiment qu'on soit disponible et disposé pour demain, puisque Fonta continue à parler. Non, on a parlé après qualification qui va y être. Moi, bien aimé ça. Et merci infiniment, James. Pas de problème. Oui, Stanley, et bon, autant de James, autant de Papin, et oui. C'est un courant assez optimiste et cap courir là. Oui, moi, je t'ai dit, je t'ai presque allé dans la même ligne avec l'Espagne. L'Espagne, c'est une équipe qui utilise force que gagne. Gon période, l'Espagne presque pas de jouer avec attaquant. Mm-hmm. Il a fait faux neuf. Ouais. Et étant donné que Derek Etienne nous estime que ça le picon fait, qui s'est fait jouer là, les gains déchets la donne. C'est ça le problème. Oui, dans la dernière décision. Yo. Même l'on considère à tout, principal, monsieur, les teintés de déchets, oui, c'est son problème que lié. Les gains déchets la donne. Moi, je pense que, si vous moi, problème est plus mental, parce que si vous regardez à tout, monsieur, vous dites, bon, son exil conscient de ça, les gains comme à tout, ça, l'État doué naturellement travaille pour l'améliorer. Oui, mais si vous regardez l'amélioration, je vous dis tellement que. Peut-être pour problème n'est pas technique, il est plus mental. Tout. Oui, oui. Moi, je t'ai dit, comme match à son match stratégique, nous devons faire un calcul, nous devons faire une résolution. Dans ce sens, moi, je t'ai dit, force équipe haïtienne. Je dis, Haïti, pas de problème milieu de terrain. Haïti a de très bons milieux de terrain, que ce soit Liverton Pierre, que ce soit Danley Jean-Jacques, bon, Brian Nansen. Pas de problème élément. Son cohésion que de pas cachita dans le match. C'est cohésion. Moi, ça me t'a fait. Moi, t'as opté pour, m'tap toujours quitter Bernal Seyus, même si pour moi-même, pas Bernal, non. Si moi, t'as fait équipe, moi, m'gai capacité, m'gai pouvoir, bon, m'pouvoir me faire équipe, moi,
m'a pour aller JB Simon Ten Zouban, m'a venir avec Jodia là. Oui, m'a pour m'a venir attendez, m'a venir avec JB Simon. Ni te dis Zouban dans l'équipe là. Oui, monsieur Gonjo ou Jean-Jacques. Non, attendez, mais Jodia là et bam dou avantage JB bay. Son joueur football. C'est pas que m'a mettre en doute qualité là. Non, monsieur ka jouer lié. Il joue défenseur central, il joue milieu de terrain défensif. Le bon joueur dans l'équipe, il peut faire le travail que Guardiola exige tout joueur. Et dépassement de soi. Et dépassement de rôle. Comme si le joueur a fait plus que poste. C'est aspect efficience, quand même, monsieur. Comme si le monde fait plus toujours. Oh, si mon joueur dans l'équipe, mon chemin, bon, je suis venu à JP Simonsen, je suis Jean-Jacques, je suis gagné et Calfred Sainte. Après ça devant qui dit que Snazon et papa et Fafa Pico ak ak Pio ma bon belle équipe parce que JP Kabal à l'offensive là l'a défendre Calfred Sainte li rassurant et puis m gagne et m'a dit Daniel Jacques là a dit que Haïti t'a très complémentaire pour nous finir m'comprendre logique quoi mais gon bagaille gen joueur a. Et puis, il y a une dynamique qui a évolué là. Il y a une dynamique déjà. Certes, il y a un bon, mais est-ce que la fit tout dans ça nous besoin d'intérêt? C'est ça tout. Alors, il y a un problème JPA. Donc, franchement, je ne vais pas mettre en doute la capacité. Mais en même temps, tout, déjà, il y a un Alcéus, Calfred Sainte. Et puis, tout le monde a option numéro 2, c'est Danley. Mais kounia, comment on peut passer de tout ça kounia, pour imposer? Non, quand même. Juste garder Coupe du Monde 2022 à l'Argentine fait. Presque chaque match. Bon, ça, c'est un bon argument. Oui? Mais nous ne sommes pas l'Argentine. Nous pas l'Argentine. mais Argentine, tu as 11, il y a eu un jeu qui pas répondre, et puis changement fait. Parce que l'entraîneur, soit pas qu'à oser, soit après un risque, ou pas priver loin. Non? Tout entraîneur qui fait gros bagaille, c'est un entraîneur qui prend un risque. Il est risqué. Oui, et bon, c'est ça. Et bon, sauf à tout le monde tout saluer. Non, oui, je vais le prendre ça parce que c'est Haïti qui a joué et nous avons un schéma assez spécial de l'émission. Hein. Et nous avons tout saluer. Et est-ce qu'il y a un cas de seigneur pour fille? Bon, on va mettre Ulan, français a modifié un peu ça. Français a mis tellement élastique qu'on y a. Non, mais moi, mais ça, en pile, et à tout seigneur, tout honneur, puisque nous connaissons un moment ça, c'est, Michelov Basler, qui supposait venir faire une revue de presse, bah, forcément, on connaît ça qui a passé dans la presse, même si une balle fait des commentaires et analyses, mais c'est les mêmes qui gardaient, qui tendaient, son qui gagnait dans la presse là, donc, qui ça qui dit, qui ça qui fait une, avec, Michelov, merci, Stanley, et pour si, écoute, ça qui est très important nous devons entrer avec sport parce que je pense que il y a une plus grosse information que on affiche plus tard là Haïti face à l'équipe mexicaine là même si faut ne pas sortir dans et nature émission qui sont émissions sociopolitiques et qui garder économie en tout donc qui mettait tout ça dans un pot pour nous capable construire un narratif qui est différent par rapport avec ça qui déjà existait. Bonjour Michelov, très content pour moi joindre nous dans micro là. Bonjour Marcus, et bonjour Stanley qui était avec nous là, bonjour Samuel et bonjour tout le monde. Marcus, plaisir de les partager pour me capable ensemble avec vous matin là côté nous pour regarder qui ça qui gagne dans l'actualité. Et bien où tu as parlé de Haïti puisque nous connaît Jodia Haïti lui-même l'a gain pour affronter le Mexique. Et bien et là une nouvelle liste qui ça le dit, il parlait de Duken Snazon qui lui-même voulait attaquer le corps Mano Sanon. Monsieur Target Mano Sanon. Tout à fait. Très sérieusement. Et y a une légende Mano Sanon et il a parlé de Duken Snazon dans pour un match qui était joué dans le groupe B côté Haïti était joué lui-même il était fait goal égalisation. Et bien lui-même il a besoin égaliser le besoin et comment t'as dit ça. Il a besoin mettre le même niveau avec qui est là. Il a besoin de arriver dans le record, Mano Sanon, t'es fait. Bien sûr. Chap Target, Mano. Tout à fait. Mano finit mourir, Chap Target. Mano, dans toute histoire comme meilleur buteur, il a marqué 53 buts pour Grenadier. Eh bien, Duken Snazon, lui-même, c'est là, il a besoin d'objectif lancer ça. Mais il parlait, il dit tout, moment ça là, il focus sur compétition. Li plus focus sur compétition hein, li pas trop concentré sur record Mano Sanon qui c'est 53 goals
mais priorité le moment là c'est ouais les mêmes avec sélection eux-mêmes ils valider billet pour de finale compétition en mais bien entendu parce que monsieur grand pile chemin pour le parcouru là oui tout à fait parce que 28 et 53 c'est 25 de différence. Et bon, dit qu'il s'abjure toujours, moi elle paraît assez en santé. Mm-hmm. Pourquoi pas, même si l'abdou que le pape target li, mais nous connaissons, c'est comme ça. C'est non, objectif là c'est ça, oui, mais moment là, oui, il faut que sous match. Oui, tout à fait. Mexique là, l'a fait. Oui, c'est step by step l'a fait. Comment capable aller comme parce que gain un pile monde qui espère un pile bagaille de lui-même de l'autre joueur tout mm-hmm. et lui-même livré by meilleur de lui-même pour voir qui ça il capable porter dans compétition. Ça pour aller en quart de finale. Okay. Et l'autre information, le national lui-même lui parlait de sept magistrats qui pas certifié. Certifié, mm-hmm. qui pas certifié, et mais CSPJ lui-même lui écarté magistrat ça yo et puis gagne 28 l'autre qui certifié. Ouais, bien sûr. Le national lui-même lui parlait de information ça yo. Donc on a une question et magistrat qui pas certifié ça yo quand c'était scandale ça t'est fait récemment sûr. Et en d'un pays dans la presse côté il a parlé de ensemble de magistrats soit qui pas gagné de diplôme d'études et ouais. Et, ouais, gain faux diplôme, gain pas gain diplôme. Tout à fait. Gain de faire de corruption. Moi, donc de autant d'éléments qui fait que je dis ou pas joindre et suite à enquête qui menait, il pas gain de rapport favorable sur magistrat ça qui fait que pas certifié. Mm-hmm. Donc c'est bien, c'est ça sont informations qui extrêmement important. D'ailleurs, il y a des fonds parler de ça. Okay. Et sept magistrats c'est déjà trop. Oui, oui. Qui t'est dans un système qui besoin retourner, qui pas qui soit un problème diplôme. Soit un problème qui a fait corruption. Et un système qui est déjà malade. Déjà, déjà malade. Donc, même 28 jours, tout, nous pas fin de classe. Nous pas fin de classe. Gain doute toujours. Vous comprenez? Très bien. Et Marcus, nous parlons toujours dans le cas d'information. Gain président brésilien. Président mm-hmm. brésilien, Lula, qui te recevoir à IMEO Codian. Et Mélanie Joseph. Mais alors, Mélanie Jolie. Ah, pour ça fois Joseph en a fait. Et Joseph est pour haïtien. Haïtien, oui. Oui, mais Annie Jolie qui lui-même, une belle rencontre. C'est chancelière et canadienne, il était font tête à tête ensemble avec le président brésilien côté, il était parlé tout de problème Haïti et il a abordé question côté ouais nécessité pour ta uniforme pour renforcer sécurité et en dans pays ensemble avec sécurité et renforcer tout institution en dans pays mm-hmm. et yo te misé sur ça misé sur ça yo abordé question ça pour ouais yo même comment yo ka aider pays en renforcer sécurité et mm-hmm. aider institution autour recamper parce que oui, nous internet. Donc, tant mieux si nous avons aide qui vient, soit du Brésil, soit du Canada. Et tant mieux si nous deux à mettre ensemble pour aider nous restaurer et l'ordre démocratique, les institutions démocratiques et pourquoi pas les institutions de, qui ont même à bail sécurité dans le pays. Nous allons aller ensemble avec l'information. La caille, pardon. Mm-hmm. Le témoin. J'aimerais dire là. Et le témoin et puisque nous connaissons nous gain site internet nous gain une page Facebook côté mm-hmm. information au monde capable gain accès ensemble avec eux immédiatement ou visiter page Facebook nous ou du moins site internet nous ou après et deux articles côté ouais. un ensemble de rédacteurs yo même yo traité information yo et puis qui viennent publier par la suite et Nous invitons à visiter page Facebook, le témoin Haïti. Tout à fait. Et puis bon, bon, est-ce que t'es connu là? Pas deux questions posées, monsieur Lino, non? Est-ce que fait ketchup et c'est ton médicament, bah, comme ça. Et, pas deux. C'est le savez-vous, son rubrique qui est assez intéressant. Pas deux questions, non? Moi, je fais comme okay. si je ne pas comprendre qui t'es mon yo dans questionnement, yo. Parce que mon yo, c'est, ça qui passe là, Marcus, ketchup, mon bah. Comment tu fais tes médicaments? Oui, et y a ma demi explication m'voye moun yo sur le témoin donc c'est toujours oui, prétexte m'voye moun yo soit sur site là ou bien et sur Instagram là puis à regarder yo même pour y aller découvrir yo même généralement genre de alors rubrique ça il toujours marché ensemble avec explication qui gagne des messages nous voulait faire passer mm-hmm. comprendre exactement nous tous, mais qui s'allie et puis nous bonne explication mais comment le faire venir transformer mais comment ou même ouais très pertinent donc si nous besoin connaître plus allez sur page Facebook allez sur site là
Le Témoin Haïti, page Facebook Le Témoin Haïti, n'a besoin de tout détail. Et pas moi, même qui pour nous détails, mes amis, c'est nous-mêmes qui pouvons chercher des détails. Nous, oui, nous faisons des recherches. Information est là, pour visiter la page, nous, pour avoir accès ensemble avec vous. Très bien. Et je te dis là, et ça a pour maintenant dans Le Témoin Haïti, mm-hmm. Et bien, il y a un secrétaire général et ONU, Antonio Guterres. Lui-même qui a gen poul en visite mm-hmm. et en Haïti samedi 1er juillet k'ap vini là côté dans cadre visite ça l'a gen poul rencontre ensemble avec premier ministre Ariel Henry bien sûr mm-hmm. et l'a gen poul rencontre tout ensemble avec de l'autre acteur politique dans mm-hmm. la vie politique là l'a gen poul chita ensemble avec membre mm-hmm. au conseil transition mm-hmm. HCT et côté nous connaissons Mirlande Hippolyte Maniga qui c'est présidente au conseil là et puis l'a gen poul chita tout ensemble avec au état major et PNH là. Oui, one, oui, et oui. Donc, ça, c'est ensemble avec Mounsayo et. Oui, la bien pour les Chita. Mm-hmm, très bien, donc. Et la bien, yon agenda qui a assez chargé côté. Ah, mais je viens de parler en policier. Mm-hmm, tout à fait, parce que problème en pile, surtout problème. Et sécurité. Sécurité à qui pour que jusqu'à présent. Qu'a abordé bien, ouais. Vous comprenez? Il y a bien pour aborder question ça. Et sous même question sécurité, hein, il y a tout, nous avons parlé de ça dans Le Témoin Haïti. Et il y a Salvador. Salvador qui. Mm-hmm. Ah oui. Qui a pour lui installer un bureau de coopération en Haïti. C'est ça, vice-président lui-même l'a annoncé. Félix Iloa. Iloa, c'est ça Iloa. Qui a annoncé, tout à fait. Eh bien, déclaration ça a été faite pendant la 50e réunion chef d'État à gouvernement yo, et dans le système d'intégration centra-américain. Mm-hmm. Qui a fait au Belize, il a fait déclaration ça. Eh bien, je suis capable de dire, Marcus, le Salvador, depuis octobre 2022, pendant que Haïti a sollicité aide l'autre pays, a sollicité aide pour capable joindre deux forces étrangères venir aider au combat insécurité dans le pays. Le Salvador, c'est un pays qui était toujours prêt pour le bail soutien ensemble avec Haïti. Tout à fait, c'est vrai. Même si nous avons minimisé le départ, mais quand nous avons compte que nous n'avons pas minimisé rien parce que par grand chose résout depuis le ça n'était pas là, véritablement. Mais c'est un pays jusqu'à présent qui était toujours prend de position qui toujours parle clair, il toujours dit les mêmes messages souhaités, mais qui accompagne le cas à Haïti, mais comment il pense ces problèmes qu'il est capable de résoudre. Même parce que c'est très bien. Exactement. Donc, par exemple, ce qu'on fait là, Salvador fait déjà. Il fait déjà, pays a été un pays très dangereux, qu'on a son pays qui est sûr. Mais moi-même là, quand je suis là, Salvador, et puis tout, mal boué, sans problème, pas rien qu'à priver, pas rien qu'à faire bandit, qu'à bien dire quoi que ce soit. Ça veut dire, oh, et, bah, oui, avec mon moi, effectivement, mais avec mon mal boué, au moins. Et hier, Marcus, c'était 28 juin, qui marquait 34e mois assassinat bâtonnier Monfeyo Dorval, même qui était assassiné la Kaili. Oui. Et en fait, Barreau de Port-au-Prince, qui gagne dans tête li bâtonnier Suzy Le Gros, et yo même yote marqué journée ça. Yote marqué li, et yon façon qui spécial ensemble avec yo même côté. Yo médité, yo parlé de Mè Dorval, qui monite yé. Bien sûr, histoire la ville, et j'ai été vraiment engagé dans la bataille pour que Maïskayo ait une certaine image, et c'est ton bâtonnier exemplaire, ça. Bon, tout le monde connaît Dorval qui est lié. Oui. Moi-même, Dorval, mais Dorval, moi, je connais depuis, bon, il était fait cours sans une méthodologie, c'est depuis là que je connais. Donc, avant même qu'il était bâtonnier, son qui était correct dans tout sens. Donc, ça veut dire que c'est normal, gagner des cérémonies qui fait pour rappeler qui dimension Mette Dorval te gagné et on monde sou pas de côtoyer li ou pas connait véritablement. Donc c'est on est correct. Donc ça le tap dit ak ça le tap fait si vraiment te gon gros correspondance. Donc ça veut dire que nous gagne 34 mois là. 34 mois depuis bâtonnier ali même il assassiné. Na rapi c'était la Kaili. Action ça t'est passé. Ouais, dans pèlerin. Mais même gens ensemble avec et ancien président Jovenel Moïse, à l'Empereur, ça va pas. Assassiné la Kaili. Vous comprenez? Ça fait. Ouh, c'est tête chargée. Nous à l'approche tout de
7 juillet, mm-hmm. il y a marqué date assassinat et tout, ancien président Jovenel Moïse. Oui, ça veut dire il a fait 2 ans là, c'est ça? Oui, tout à fait. 2 ans. Et bon, puisqu'à présent, on a demandé s'il mourit vrai. Oui, jusqu'à présent, parce que vous qui dites pas quoi. Oui. Et jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui a posé une question. Question sur est-ce que monsieur mourit, est-ce qu'il pas mourit? Monsieur mourit, attendez, monsieur mourit. Monsieur mourit, monsieur bien mourit. Monsieur bel et bien mourit. En tout cas, et Michelov, gagne l'autre encore, non? Oui, et n'a tourné dans le témoin Haïti, côté gain nous pas parler de CAS qui m'est capable de faire centre d'un scandale de corruption depuis quelques jours. Et bien ancien mairesse. Ouais. Akaya et Osmela petit frère, il était invité à titre témoin pour être capable dans même dossier, dans même cas de scandale ça pour répondre à une question. La justice c'est bien, il pas présenté. Ouais. Il pas présenté. Raison c'est santé. Est-ce qu'on a dit comme ça? Et ça m'apprend que il était un souci santé, il va pas venir. Mais faut que nous dise c'est juge Jean-Wilner Morin qui lui-même t'a gagné pour le temps d'elle dans quatre dossiers ça. C'est Jean-Wilner Morin qui t'a gagné pour le temps d'elle. Oui, c'est lui-même qui a instruit dossier et CAS là. Parce que nous connaît tous, c'est lui-même qui t'étendait madame Edwin Tonton. Edwin Tonton qui lui-même et pourquoi elle est là dans la prison dans même quatre dossiers et scandale corruption dans CAS et tout ça, ouais, problème. Nous capable de dire comme ça Marcus Cola. Et je pense que c'est tout ça des gens pour nous jacoto pour nous. Pour me parler ensemble avec nous, pour me partager ensemble avec auditeurs et café chaud et dans jacoto pas grand nèg cap du tout. Oui, c'est ça seulement qui est dans Jakoto. Mais c'était qu'on est au cap dans Jakoto tout. Et non. Merci Michelov, c'est une plaisanterie quand même. Et merci Michelov et pour apporter ça dans l'émission Café Show. Donc demain et même Jean. Oui, c'est. Ça manque. C'est pratiquement dernier. C'est le dernier jour dans ce maintenant, dans mois à tout. Pourquoi ça vous mettez accent sur le dernier jour dans mois? Ou on va espérer? Non, je n'ai pas aucune intention, je n'ai pas espéré. C'est tout simplement rappeler ce dernier jour. Oui, me rappeler ce dernier jour. Vous parlez de direction, attendez. En qui ça fait des ordres. C'est après dernière sortie tout émission Café Show et puis presse dans tout pratiquement dans l'émission et oui. On dit baba mois de juin. Il était là pendant trop longtemps. Mais grand plus mon cap qui veut dire baba, c'est parce que on connaît il y a bagarre qui va venir. Et direction attendre et que le fait prendre toute disposition pour faire très rapide. Et mais on va mon dernier mon va saluer. Comme si vous venez dans l'émission pour saluer mon va aller. Mba konnen ni moun salye non? Ou anvim salye ou moun? Ba se te kon moun pou salye tout simplement. Merci infiniment Michelov et pour Revue de Presse là. À demain. Et merci Marcus et à demain. Et Samuel, non aller, j'aime dire là demain n'a croisé et m'passé n'a gain assez information tout vous partager ensemble avec auditeur radio Le Témoin yo et j'aime dire non et continuer suivre Le Témoin Haïti, visitez page Facebook nous, suivez nous sur TikTok quand nous gagnons de rubriques assez intéressantes, nous partageons ensemble avec vous. Côté nous gagnons une rubrique qui est ce qu'on est, nous présenter une ville, une commune, une section communale, en d'un pays, peut-être ou pas de connaît, mais nous visitons de façon pas non. Et nous gagnons une rubrique les sociétés côté nous traiter de sujets qui vraiment sociétal ça nous accompagner avec photos nous permet tout gagner idée peut-être de ensemble de sujets qui passent dans société à quelque monde doit pas trop focus pas trop intéressé mais nous même nous mettez envoie les Michelov envoie les qui le tabou hein, et nous publier tabou hein, sujet tabou hein. Oui ou tabou hein. Oui tabou hein, lui même c'est chaque samedi et il va qu'à vendredi faut regarder qui est-ce qui fait c'est James faut pas James une naïve pour parler de affaire tabou ça que... Et parce que pour me connaître, est-ce que les parce qu'on a fait de soit gain de ménage soit sexe anal toute bagaille bah ça faut en parler finalement puisque de tabou
OK. En tout cas, Ou t'as préféré ou ça fait du vendredi plutôt? Ah ben tout à fait. Et vendredi c'est très ouvert. Non, ça c'est passe juste samedi en tout. Et samedi pas grand pile monde qui travaille juste samedi, moun yo okay. Plus ou moins libre, yo ka bien accès pour yo plus ouais qui ça ka passer okay. Dans rubrique tableau. Même en puis engager James traité. Bien avant que le tombe dans samedi pour venir là en vendredi. Pour nous parler et dans le rubrique tabou, hein, pour nous garder des sujets très tabous. Bon, il faut que la radio parle des sujets ça autour. N'est-ce pas? Pour nous connaître qui le garde. Pour nous connaître si pratique ça, ou que l'a fait des rideaux, est-ce que le café est devant rideau? En tout cas, et merci infiniment. Et merci infiniment à Michelov Basler et pour contribution dans l'émission Café Show. N'a pas le marqué posé avec Samuel. N'a pas retourné après pour nous et entrer fond dans commentaire avec analyse. Merci à Samuel Pierre qui a fait toute coordination là, monsieur qui a mis un bouton pour permettre que nous sortions très bien et arriver et faire que parole arriver sur tout fidèle auditeur. Alors, bonne information que nous sortons main là. Il s'agit bien de cette rencontre entre le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui était dans la rencontre. Et c'est le président brésilien qui était recevoir hier mercredi, chancelier canadien au Brésil. Donc, lors de l'entretien, ça, Brésil avec Canada, ils ont entendu là. Ils ont entendu pour que ils unissent force pour aider Haïti à renforcer quelques institutions. Ou bien, contribuer non et restaurer l'ordre démocratique. Parce que quand même, on ne peut pas parler de l'ordre démocratique sans parler des institutions démocratiques. Donc ça veut dire que pour mettre de l'ordre dans tout ça, dans ce véritable cafarnaüm que le pays a tourné là, il faut que justement que toutes les institutions soit rétabli. Donc nous remettez au campé parce que c'est institution qui est bon pays, qui est bon société. Donc je dis à la nécessité c'est là lié. Et une promesse apparemment qui fait et qui sortit de rencontre ça entre et la chancelière du Canada et le président du Brésil Lula. C'est que gon urgence pour aider Haïti dans question sécurité à même. Moi dit tant mieux parce que le Canada est déjà au diapason puisque et gen des sanctions k'ap bay en même temps gen des promesses d'aide à la PNH même si et dans forme que l'ap bay la gan pile critique gan pile réserve qui exprimé et par exemple installer un bureau pour desservir Haïti et pour aider la police nationale d'Haïti et en République dominicaine ça soulevé et des remous. C'est normal puisque il y a des susceptibilités qui ont toujours exprimé et qui viennent de certaines réserves par rapport à ça. C'est normal que il y a une petite bouche, une petite rounou qui a fait par rapport avec question installation bureau en République dominicaine pour aider la PNH. Normal.
pas aucun haïtien qui pas senti que ça froissé yo le fait pour aider Haïti y a installé un bureau en terre dominicaine. Nous comprenons ça et c'est normal. Et il faut le dire cependant, on devra faire avec parce que le apédo en pile froid. Ça qui est important pour vous, c'est garder est-ce que aide là a arrivé à terme, est-ce que l'a arrivé matérialisé. Est-ce que a une coordination de aide ça qui arrivé matérialisé qui fait que le matérialiser, qui arrivé joindre effectivement la police là. Et ça qui supposé nous-mêmes souci nous. Même si question de dignité, question de susceptibilité et nationaliste et patriotique fait que nous obligés garder la forme. Mais si nous créer vide là, si nous créer situation chaotique là, si nous créer des zones là et que vinn gon réalité côté faut gain d'intervention qui fait et qu'elle soit et au niveau interne, qu'elle soit au niveau externe, puisque nous non situation côté nous besoin aide, le APD nous obliger nous-mêmes et garder capitaliser sur ça qui souci nous qui pas forcément aller beaucoup plus vers la forme que vers le fond. Nous-mêmes c'est dans le fond. Est-ce que aide la privée jouer de la police, c'est ça qui t'a nous intéressé. Parce que pour nous sentir nous offusqué à un niveau très élevé, faut que nous t'a retiré nous dans situation côté nous monsieur aide là justement. Faut que nous t'a camper sous accélération gain là dans dépravation hein, dans banalisation institution avec la vie moun dans pays. Donc c'est lever pour nous lever pied nous sur accélérateur. Et ça lié. Si nous pas entrer dans sens ça, si nous pas entrer dans niveau ça, eh bien nous a mal fâché. Donc ça veut tout cela dit aide là nous besoin. Certainement bureau qu'a installé en terre dominicaine là, l'idée engine. Mais on va passer de tout ça pour nous garder et ça qui est beaucoup plus important parce que gon l'op fait politique faut capable capitaliser sur ça qui est beaucoup plus important que ça qui pas important. Déjà faut connaître qui ça qui important, qui ça qui pas trop important. Est-ce que c'est la forme ou à regarder? On n'est pas dans le domaine du droit. Est-ce que c'est le fond à regarder? Ça qui est beaucoup plus important parce que les problèmes de fond c'est au plus important dans la politique. Donc par exemple, qui j'en a fait pour PNH à même pour le bail sécurité, pour le rétablir l'ordre, pour le fait que la sérénité li vit en réalité dans Outio, dans l'air de Port-au-Prince, que li nettoyer, que li décongestionner, que li libérer. Donc li important en politique. Il faut qu'on capable connait ou bien capitaliser sur ça qui est important au lieu de ça qui pas important. Il faut qu'on capable capitaliser sur ça qui principal au lieu de ça qui accessoire. Il faut qu'on capable capitaliser sur ça qui prépondérant au lieu de ça qui vient tout simplement après et qui capable de représenter des détails. Aujourd'hui à là c'est comment permettre à ce que ces aides là et permettre à ce que l'y acheminer et arriver joindre la police nationale d'Haïti. Maintenant, ce qui est important, c'est que le Canada, j'en dis un, l'y déjà au diapason, l'y déjà dans une dynamique pour l'aider, et l'y qui approche, l'y qui sont approches beaucoup plus politiques, que l'y penser, et il faut l'agir sur rapport politique qui existait entre des hommes politiques et des chefs de gang, des nègres qui dans le secteur économique là et des chefs de gang, et lui penser du coup et bay sanction capable aider et apaiser situation hein, avant que permettre que la police en lui-même lui jouer coup fort là sous nèg qui gen zam nan mé wa. Donc j'avais dit que le Canada lui-même est sous deux plans et opérationnalisation en série de programmes avec la police et puis les sanctions contre des hommes politiques et des mondou qui dans secteur privé a une dynamique là. Après nous avons regardé le Brésil qui gon important que le cas justement
Et nous dit ça hier, nous dit ça avant-hier, que le Brésil, parce que lui fait face avec presque même réalité, hein, lorsqu'on observe la réalité qui se trouve au niveau des favelas, la configuration des favelas, Jean Mounio habite yo, Jean Mounio vive là-dedans yo. Ça rappelle nous presque même réalité qui gagne dans quartier difficile nous yo. Donc, ou ka, pas trop aisément, mais comparer les favelas du Brésil et des quartiers, nous-mêmes les quartiers populaires ici, tio, c'est une comparaison qui, et on dit souvent que les comparaisons n'est pas raison, mais à ce niveau-là, les kababs ont raison. Tellement gagne de points de ressemblance, de caractéristiques communes entre les favelas du Brésil et quartiers populaires que nous avons là. Donc, si, c'est parce que même problème, yo, même si c'est beaucoup plus dangereux dans certaines favelas au Brésil, et c'est peut-être mieux organisé toujours au Brésil, mais justement par rapport avec réalité ça, le Brésil gagne une expertise que le développer. Le développer expertise ça du fait même que le gain réalité a la Cali et qui vient faire que jodi a soit chercher des policiers spécialisés dans guérilla urbaine, dans maté gang, dans milieu urbain ou capable prendre Brésil comme référence. Même gens qui ont des monde qui ont référence orientale et qui souvent vont voir avec les Tchétchènes qui ont même très bon tour dans niveau ça puisque les Tchétchènes yo bon pas connait toute histoire là mais c'est et l'armée tchétchène. Bon, il y a l'armée régulière, bon c'est tout un des forces interarmées en Tchétchénie, mais il y a de pendant armée qui spécialisé dans question bataille urbaine, dans guérilla urbaine. Il y a des sociétés militaires privées comme ça tout. Donc ça veut dire que il y a des spécialisations qui gagnent par rapport avec réalité ça. Donc Brésil capable d'aider. Si Brésil qui j'en pour aider. Est-ce que finalement il y a tant que ça aurait à décider pour qu'on ait dans appui militaire capable envisager à qui forme la prend, est-ce que c'est des troupes y a voyer pour qui viennent appuyer la police là ou bien l'appui sera pur simplement logistique, c'est-à-dire bail moyen équipement pour la police là capable renforcer. Moi même pas penser que lui doit rester logistique. Je pense que forcément faut que lui à la fois technique, faut que lui militaire, faut que lui et faut que des troupes et des policiers spécialisés et des forces spéciales qui accompagnent la police là. Comme ça, travail là fait plus bien. Parce que c'est pas des monde qui va venir tâtonner là. C'est des monde qui connaît la situation. Hein? C'est des monde qui ont passé 2 à 3 mois. Bon, bah, on est qui tellement fort dans la question stratégique. Même moi, c'est que c'est des monde qui sont capables à partir de stratégie qui mettent en place. Puisque vous déjà connaissez la réalité, vous frappez 1, 2, 3, 4 sans hésitation, sans tâtonnement. Donc est-ce que y a peut-être que on a envisagé ça l'envisager ya, pour que finalement on dit bon, il y aura des policiers brésiliens, il y aura des salvadoriens, il y aura de pour jamaïcains pour nous accompagner la police parce que et faut qu'il y ait un effort qui fait effectivement pour nous commencer par libérer Port-au-Prince. Mais si c'était sur Port-au-Prince parce que sous garde les dernières données et mises sur carte et par CAD qui c'est centre d'analyse de recherche en droit de l'homme et ouais effectivement phénomène Bois-Caléa qui bon li beaucoup plus important c'est dans l'ouest et précisément à Port-au-Prince et ses environs. Donc ça veut dire que c'est Port-au-Prince qui est complètement ceinturé pour l'instant et qui gagne plus groupes armés qui opérationnels là. Donc libérer Port-au-Prince, c'est déjà en gros résoudre le problème là. Donc ça veut dire si on envisage résoudre le problème là aujourd'hui là, on ne peut pas l'envisager sans quand même puisque aide là va nous demander long sans aide que offrir avec sans l'aide du Salvador, sans l'aide du Brésil qui ont spécialisation dans question ça et sans l'aide du Canada qui lui-même déjà dit la bail moyen. Bon, on peut toujours jauger et le montant promis par Mélanie Joly Haïti, bon, disons le Canada Haïti, ou qu'a toujours jugé, ou qu'a toujours gardé que ah bon c'est pas si important que ça, mais en fait c'est des APDO. Le APDO pas d'autre exigeant, puisque et APDO justement parce qu'on est en région, il y a tout parce que
ou gagne des coopérations avec Canada, ou gagne des coopérations avec Brésil, yo edo parce que vous êtes membre ONU, une premier membre, yo edo parce que effectivement dans le concert des nations, Haïti gon place et c'est pas n'importe qui place. Donc le APDO quand même. Il y a APDO suivant ça au capable disposer dans moment et dans moment si on paye pas représenter grand chose pour les grandes puissances aujourd'hui à là, c'est Haïti. Bon, qui ça Haïti représenté pour les États-Unis en termes d'intérêt? Bon, grand pile moun kap di ressources naturelles, ressources minières, mais est-ce que ça a prouvé aujourd'hui? Bon, il n'y a pas de preuve que aujourd'hui, là, nous gagnons des importantes ressources minières qui sont capables de convoiter par les États-Unis, convoiter par les grandes puissances. Nous, bon, même si c'est le cas, mais est-ce que nous avons moyen pour nous-mêmes exploiter, ou même si tout, nous d'accord avec des gens qui pensaient. Et il y a pas de problème que ressources existent, mais qu'on forme pour l'exploiter. Faut que ça fait en toute transparence. Faut que ça fait en bas lumière. Les pas qu'a fait dans fait noir. Donc c'est il y a des monde qui pensent comme ça, ils pensent que effectivement il y a une raison penser comme ça. Donc c'est ça. Et donc président Lula qui recevra hier mercredi en chancelier canadienne Mélanie Joly au Brésil et j'en dis lors de l'entretien ça le Brésil et le Canada yo notamment souligné nécessité pour unir forces pour capable renforcer sécurité et institutions démocratiques yo en Haïti et yo gain tout intérêt puisque le Canada tellement prend moun na ces temps-ci et le Brésil pendant un moment de vous parler avec un moun ni dit bon le homme qui a le téléphone ou bien son WhatsApp li bon. Et ou a un numéro de qui montait, c'était presque Brésil. T'es au moment Chili Brésil, c'est on qui prend plus monde pour nous. Et on continue à prendre monde tout. Ça veut dire pas capable un regard sur Haïti, pas capable un regard sur ce qui se passe en Haïti. Donc c'est il doit qu'on regard parce que la crise migratoire li est entrée dans un j'aime d'être capable de dire là, il n'y a pas même un quadrilatère tellement de pays qui impliquent aujourd'hui là. Parce qu'il y a des gens qui sont allés au Mexique en pile, il y a des gens qui sont allés au Brésil en pile, il y a des gens qui sont allés au Chili en pile, même si c'est de moins en moins aujourd'hui que les gens sont allés au Chili, puisque bon, il y a fait Biden qui ont déjà campé migration dans un paquet d'autres pays. Il y a des gens qui sont allés en pile en République Dominicaine. Bon, là encore, c'est tellement en pile de monde que jodi a la ou pa ka di pays sa ou pa fouye bouche nan fò parce que yo même y a pran moun pou ou chaque jour même pa jan ka comprendre ki jan ayisyen fè ah lui sa minale pa rien doit parler nan kozil bon mes amis pou quantité moun la pran pou nou chaque jour donc oui ça sert aux intérêts dominicains aux intérêts économiques dominicains d'une certaine manière parce que gen moun ka lòt bon yo fè vie job. Yo servi avec des entreprises, yo servi avec des compagnies, yo servi avec des structures de bois qui travail. Effectivement, combien de vieux exploités d'une certaine manière. Mais quand même, moun sa arrive à jouer et puis yo reproduit la vie. Yo. En quelque sorte, yo absorbe des moun pou. Et leur grand quantité importante d'Aïtien dans le pays sa yo, mes amis. Pas capable de dire, comme ministre intérieur dans le pays sa yo, yo pas capable de faire une évaluation fait de quantité de moun sa yo kap entre, et garder comment on comporte yo, garder qui j'en a pas agi. Et à partir d'un rapport dressé et suivant évaluation sa, eh bien, faut qu'on yo capable de regarder pour jeter sur Haïti. Ce qui est très simple. Donc tout cela dit, et nous vraiment souhaiter que de plus en plus d'acteurs internationaux, eux-mêmes, ils consentent effort ça, consentent ça et bafler des sacrifices puisque ils ont presque gon devant tout moral pour aider Haïti en pile là-dedans, mais consentent effort ça pour que ils aident acteurs yo sortir d'une crise et que nous y est là. Bon, en même temps, il y a expert indépendant des Nations Unies sur droit et droit moun et en Haïti a et ben li boucler première mission li nan pays donc c'est William O'Neill qui même dénoncé violence gang et li prenait une solution à crise qui gagne en Haïti a elle prenait une solution à un soutien adapté et coordonné de la communauté internationale
Donc ça veut dire que faut acteurs internationaux coordonner action yo, yo vraiment en goal dit faut acteur William O'Neill dit faut acteur qu'on ça fait. Faut tout le monde connaît comment pour agir qu'on ça fait pour aider Haïti. Nous tout connaît que plus gros problème qui vient là c'est insécurité. De même qu'à bay population anti cal sécurité, bon, tout le bay presque ca possible. Presque même les élections capable possible dans pays à les gagner et sécurité. Même si élection c'est dernier bail que population attend. Pas moi c'est que population attend élection véritablement non. Moi même pensais que faut aller dans élection, faut créer conditions pour aller dans élection parce que rester avec un gouvernement de facto là fait tout le temps ça. Vous comprenez et puis en pile fois et à pas bon m'pas dire en dehors de la loi parce que la constitution est mise en veilleuse pratiquement avec l'existence même de ce gouvernement. Mais pour n'être pas élu pour passer 3-4 ans à diriger et pas même gain résultat, c'est ça déjà trop, ça déjà trop. Donc nous vraiment souhaiter que gain perspective élection ouvri n'a gardé yo et ça s'il ca permettre que nous créer conditions pour que réaliser en 2024 parce que ça et la parlé beaucoup plus que élection yo a fait en 2024. Donc ça veut dire que Ariel sorti de 2021, 2022, 2023, l'a quitté en 2024. Bon, où on est qui parle dans l'élection? Monsieur bien passé. Monsieur très bien passé. Pour on est fait 2021, 2022, ou fait 2023, pour arriver en 2024 sans élection, mon cher, ou pas qu'à demander plus que ça. Ou pas qu'à demander vraiment plus que ça. Donc, et acteurs internationaux, je n'ai pas là, ils supposé dégager là pour que permettre que nous sortions vraiment dans ça que nous y a. Donc ça veut dire que pas bon ici, pas presque grand cap fait là pour l'instant puisque pas un suivi, aucun suivi réel ou bien concrètement pas ouais ça cap fait comme suivi par rapport avec session réunion que t'es faite en Jamaïque là. Alors à la Jamaïque. Du 11 au 13 juin, songez ça, côté acteur était réuni là-bas pour être capable de garder sous initiative CARICOM qui j'ai au juin en résolution de crise là. Bon, nous tout simplement sorti avec une déclaration conjointe de quelques parties et mais qui pas imposé avec Ariel Henry qui lui-même t'a annoncé que par la suite, l'a gagné pour bon, il était promettre que y a un gouvernement d'unité nationale. On en est où? Pas vraiment de réponse à ça. Et promettre que CEP après le camper parce que quand même avant pour aller à l'élection il faut une révision constitutionnelle et qui s'en chargera c'est peut-être le CEP pratiquement. Bon, assez originalement on a essayé cogiter pour jouer meilleur moyen pour résoudre problème yo. Difficile d'entrevoir la lumière par rapport avec Jean Bayo mélangé là. Bon, c'est normal puisque Jean ne fait politique en Haïti. Nous pas vraiment gagné de bons résultats qu'une carte couchée parce que bon ça fait penser avec un dramaturge irlandais et c'est un critique littéraire tout c'est George Bernard Shaw en français c'est George Bernard Shaw puis comme il était dit qu'il manquait et je l'ai dit que les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent et pour les mêmes raisons et le monsieur dit couche-là, c'est couchette petit bébé. Nous connaissons pour qui ça va changer couchette petit bébé. Ce soit le pipi la donne ou bien le toilette la donne. Et monsieur dit que homme politique avec couche, faut que changer pour même raison parce que et même résultat au bail. Donc c'est nous capable de dire comme ça puisque regardez résultat gouvernance et pendant 10 dernières années ça yo, pendant 20 dernières années ça yo, pendant même 30 dernières années ça yo, pas vraiment gagné de gros résultats. Quelques petites avancées, mais bon, par rapport à moi, on a gagné pour nous faire gros saut vers la modernité. Ah, nous pas faire, nous rater le train de la modernité. Alors qu'on parle de la postmodernité en Occident, nous même garder côté ni là et nous pas même dans modernité. Nous pas même offrir un cadre de vie moderne à la population. Et ça, c'est faute monde qui passait sous pouvoir. Il pas faute l'autre monde, il pas faute population s'il pas connait li, il pas faute population s'il gagne et on taux important de monde qui pas connait pas connait dans pays a.
il pas forte population non si gon taux important de monde qui pas travailler dans pays là il pas forte population si gagne un taux important de jeunes garçons et jeunes filles qui deux bras balancés dans pays actuellement que avenir incertain il pas forte yo il c'est forte monde qui a dirigé yo il c'est forte monde qui succéder dans pouvoir l'état yo qui pas remettre en rien qui passe 30 ans qui passe 20 ans qui passe 40 ans qui pas remettre rien donc c'est forte monde ça yo effectivement si rien pas fait dans pays ya. Donc ça veut dire que et là moi même moi pensais que ta bataille là faut la loin son bataille pour le renouveau son bataille pour l'émergence d'une nouvelle classe son bataille pour une forte implication de la jeunesse dans la politique haïtienne dans la classe politique son bataille pour et Jean et Bernard Chaudien Georges Bernard Chaud pour nous changer homme politique parce que le résultat comme on change les couches et ça c'est je dis là pour les mêmes raisons c'est parce que pas bail résultat c'est parce que ces matières abîmées c'est ça que lié même pour l'instant pas senti que mis à part quelques petits groupes jeunes mais pas senti que la jeunesse vraiment les voulait prendre place les voulait impliquer bon ça fait plus devant soit à partir de la semaine prochaine faut vraiment à chercher et des leaders qui inspirent et qui respirent qui inspirent le changement pour venir parler dans l'émission hein, définitivement ou là mettez dans statut yon citation de Camus qui dit un bagage qui est important et il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l'action donc m'pa ka contempler ti jeune à l'horizon t'ap travail faut agir et faut vraiment ba moun sa yo côté pour parler côté pour paraître et c'est n'en parler paraître là qui va le mener imposer yo ça li vraiment si gon rôle que nous devons jouer moi je pense que c'est dans niveau ça pour nous jouer rôle là je pense que c'est là pour nous aller et je pense que c'est faut que vraiment nous créer moyen pour que changement il commence par là il commence par changement et au niveau de la presse tout parce que pas qu'à gagner émergence de nouvelles idées de nouvelles personnes pas qu'à gagner de l'autre perspective sans que pas gagner une réforme qui fait au niveau de la presse tout sans que pas gagner émergence de on ça ne capable briller en nouvelle opinion publique faut sortir dans oui là faut sortir dans sensationnel là faut sortir dans souci pour toujours faire ce coup là faut embrasser les données scientifiques la rationalité faut embrasser le bon sens cartésien faut embrasser et faut entrer dans le temps des lumières haïtiennes c'est ça qui est important monde qui connaît pour parler monde qui connaît café politique de voir nouvelle qui entraîne en politique là pour qui vraiment impulser changement ça que n'a cherché et je ne dis on a pour prendre encore et changement ça est supposé venir je ne dis et supposé venir je ne dis de l'opinion publique qui opinion publique qui nouvelle donc c'est ça que lié c'est ça que lié li pa l'autre mon bataille là c'est là que m'a gagné pour me faire le tout et là on continue faire bataille là parce que quand même nous pas envisager le changement sans de nouveau monde même pas ouel moi-même parce que et gon problème qui dit bruit là depuis le fait midi la prendre quand même donc les mauvaises habitudes on la vie dure. Donc si en pile dans les cafés politiques qui ont gagné de mauvaises habitudes, son gros risque pour reparaître ensemble avec eux, parce qu'ils sont capables de remettre au jour les mauvaises habitudes. Donc nous parlons de risquer dans le niveau ça, même si nous connaissons des pays qui ont aidé nous là avec des sanctions,
Mais pour l'instant, il faut voir ce qui se passe en Haïti. Pas vraiment gagner en justice qui en branle, qui met en difficulté Mounsao, qui fait que nous sommes capables de sentir nous très à l'aise pour nous dire bon, Mounsao va tourner dans l'élection, par exemple. Et la bataille a été tout, oui, mais comme la justice est tellement lente en Haïti, nous pas qu'à courir dit que nous finissons avec Mounsao net. Donc, nous préférons prendre pile, précaution, et, mais ça nous souhaitait véritablement, c'est que nous participer, nous mettons force nous pour nous construire une nouvelle opinion publique et qui pourra favoriser l'émergence d'une nouvelle classe politique. Donc, voilà, c'est ça. Nous avons un petit coup de pause, nous avons pour nous retourner avec de l'autre commentaire sur des faits d'actualité. Continue avec l'émission Café Chaud et Talouane a parlé de rencontre qui fait entre Mélanie Joly et le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula da Silva, eh bien, il était question de garder comment capable unir force pour venir coller les épaules avec Haïti qui est dans une situation de détresse sociale et économique et sécuritaire même. Et le problème sécuritaire même, donc ça veut dire que Haïti n'a pas en bataille du tout. Donc si Elsa est capable effectivement matérialiser, tant mieux. Tant mieux pour un pile monde, tant mieux pour des monde qui vraiment souhaitaient que contribution brésilienne est importante, du fait même que il fait déjà même avec Salvador. Donc moi-même personnellement pas attendre que bureau ça li installé finalement en Haïti pour que coopération ça li opérationnalisé rapide, que li rentre en marche et que nous capable bénéficier de expertise et Salvador, il y a un jour d'y aller en matière de sécurité, il faut le dire, parce que nous n'avons pas toujours été comme si très dogmatique, disant que c'est ensemble de pays qui qu'on fait déjà, ou bien qui gagne expertise parce qu'on fait le pendant longtemps. Mais Salvador, fin que ça fait là, nous n'avons pas fait comme si pendant le tout près nous là, et ça le fait là, et pas un gros bagaille. Non. Et Babal dit, nous besoin un petit naïf boukele, non, parce que naïf boukele pour Salvador. Mais nous besoin un monde qui est capable de faire pays là, qui va prendre des décisions assez courageusement, tout même gens qui viennent là et puis qui dit bon, et nous besoin parlement solide, on bon patriote dans parlement qui pour accompagner dans déraciner gang dans pays. Très simple, formule simple, c'est que ou gain on légitimité qui est assez imposante pour prendre décision ça yo, voilà l'élection ou font score important, et puis ou gon parlement qui pas qui à cause ou non, mais un parlement qui conscience nationale et patriotique, et puis qui dit bon, nous décidons d'accompagner le président ou bien chef l'État dans décision que le veut prendre pour lui rétablir la paix dans le pays, pour lui chita en stabilité qui est très longue dans le pays. Donc tout ça me souhaitait, c'est que nous arrivions à mettre le pays stable pendant au moins 15 ans. Et c'est le sens d'après quantité bien d'après le pays, quantité richesse qui t'a produit dans le pays. Quantité d'investissement direct étranger que tu as gagné et quantité atout que tu as exploité, potentialité touristique que tu as vraiment exploité. Donc imagine que pays en stable, pays en gain sécurité pendant 15 ans,
Donc, mes amis, gardez côté des Acadiens et puis réfléchis. Gardez ensemble de. Et pensez avec ensemble de ressources naturelles que nous avons là. Et puis réfléchis. Réfléchis bien. Pour tout ça, nous sommes capables de faire. Si nous arrivons à jouer dans 15 ans de stabilité. Donc, parce que vraiment, hein, ça. Elle est plus important là. Elle est plus important là. Parce que nous ne pouvons pas prendre encore. Nous pas cachita qu'on y a pour prendre deux nèg un président qui est élu et puis les jours que le bal 90 jours pas normal passer 90 jours manifestation non pas normal il pas normal le président est élu et il dirige si ou même ou gagne des problèmes avec batavel institutionnellement batavel dans l'idée batavel non au niveau dialectique bata avel sous programme bata avel sous vision bata avel j'en dis dialectiquement c'est pas la dialectique des armes qui supposait prévaloir non et partir coup de matéa et pas ni chauffer à théâtre pas ni faire manifestation mais c'est bataille dans l'idée dans programme. OK, président a dit que li pral encourager les pêcheurs pour et pour capable et vin gon papi importante dans l'économie hein? Eh bien puisque le pas fait moi-même m'a pas corriger Kael m'a pas développer un programme halieutique donc c'est-à-dire qui lié avec la pêche et puis pour montrer président comment on fait donc ça veut dire faut gagne patience là et c'est ça capture en pile là nous pas patience on président ni qu'il lu et nous bon pendant les lua nous t'a préparé comment pour nous jeter. Nous avons préparé comment pour nous jeter. Et ça fait, quelque part, je comprends la dynamique, ça n'a pas sens tout. Et préférer que nous prétendons nous faire une bonne élection, nous d'accord, c'est lui-même, c'est mon sac élu. Au lieu de précipiter pour nous tomber dans la contestation, et puis, qui n'en finit pas, et puis qui a des troubles pendant 5-6 ans encore. Au lieu d'entrer là, dans ce cercle vicieux, ça, préférez nous prendre temps, nous faire une bonne élection. Il n'y a pas jamais cette contestation parce que nous connaissons comment Haïtien. Pas jamais une élection qui a jamais bon. Même élection, bon. On va dire une autre élection, mais prendre surtout parce que dans le moment, on ne peut pas vraiment être dans la question sur l'actualité politique. Et élection 90, effectivement, tout le monde est d'accord, Aristide est sorti gagnant. Oh la main. C'était presque sans contestation. Mais après, il y a toujours eu des contestations. C'est récurrent dans le domaine politique, sur l'échiquier politique, que toujours on a fait contestation tout le temps. Côté président élu, contestation. Naturellement, il y a des réserves, effectivement. Et toujours on a implication de yon main externe, donc de la communauté internationale pour lui, et travesti processus là. Pour lui, manier processus orienté dans sa intérêt li. Mais en même temps tout, il faut voir la part des Haïtiens qui dans crise là, il faut conserver. Bon, toujours non récurrente contestation. Contestation, contestation. Personne pas jamais élu, personne pas jamais bon. Il est parti politique là. Il pas jamais faire congrès. Mamio pas même gè 4. En pile, je ne pas pour voter, mais il y a toujours une contestation. Je ne avec la Valas. Mais mes amis, si la Valas véritablement, il y a toujours, oh, la Valas c'est parti qui est important. C'est... Mais qui est la Valas faire pour que le congrès fait? Est-ce que les gens qui disent que la Valas, est-ce que 4 membres? Bon, comme si nous toujours été, nous voulons imposer dans l'informel. Nous d'accord que la Valas a capable de force toujours, même si il y a un petit pays clité. Mais pour que ça l'oblige à être dans l'informel là? Pour que ça la valasse pas qu'à faire congrès li, li pas qu'à structurer, li ba membli 4? Pour que ça ne pas qu'à entrer là? Depuis on est qu'à en qui gonfle de toi mon dans la rue, il dit c'est la valasse et puis c'est la valasse. Comme si là, c'est quoi ça politique là en fait? Nous même tout nous banaliser. La vie moun yo, nous pas respecter moun yo, nous pas respecter mam yo. Comme le jeu qui se fait, c'est sur les affects des gens,
sur émotion moun n'a joué. N'a joué sur émotion moun. Mais nous pas respecter moun yo. Comment pour nous dire tel c'est mon parti politique même gon 4 même. Et puis c'est quoi ça nous voulons construire démocratie là? Nous voulons construire démocratie dans des ordres. Nous pas qu'à faire dans des ordres. Faut nous organiser nous. Faut nous bye là en forme. Faut nous moderniser parti là. Faut nous contrôle sur même parti yo. Faut que impliqué, faut que formation pour yo. Pas qu'à depuis 2 3 nèg mais camper dans la rue, c'est la valace. Il va faire que sens. Pas jamais gain congrès, pas jamais gain réunion sous ça réellement. Et puis gon seul chef depuis dix d'antan. C'est l'homme mouri, a bon un monde qui remplace le. Mais qui sens ça gain? Bon, l'on présente me ça et vous voulez pour m'accepter. C'est insulter. Depuis petit, Jean-Bertrand Aristide, c'est lui-même leader charismatique. Cela veut dire quoi? Pas jamais un congrès, pas jamais une réunion sérieuse pour dire un renouvellement cap fait. Toujours les mêmes dirigeants au niveau de ce parti. Et puis, les mêmes pratiques, la même organisation depuis 90. Et bon, après, Vingé Navalas, disons, au début des années 2000. Il n'y a pas comme ça. Il faut aussi un effort d'organisation au niveau des partis politiques. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans partis politiques. Et partis politiques là, lui-même, il suppose montrer en miniature façon et l'abjet pays, s'il t'a vu le pouvoir non même. Parce que depuis à la base, nos partis n'ont pas organisé nous véritablement. Comment nous allons prendre pouvoir et puis nous dit nous allons organiser le pays? Je ne pas comprendre. Est-ce que l'on arrive sous pouvoir qu'à baisser pas gagner? Li pas normal. Li pas normal. Et ça que fait toujours dire malheureusement. M'est très pas à l'aise avec ça aider à faire. Mais obligé citer. M'est pas forcément à l'aise avec en avant de Jerry Tardieu. Mais obligé citer parce que ou senti un minimum d'organisation. Ou senti comme si un effort qu'a fait. Il est peut-être pas plus populaire. Il y a peut-être pas plus gros force politique, mais déjà l'image renvoyée l'important pour moi que gon organisation, gon forme, gon traitement de monde qui mambio comme si organiser ainsi ne pas qu'à faire depuis là. Comment nous dit que l'on prend pouvoir pour organiser pays là? Alors nous pas pétri. Nous n'avons pas de triture politique ça, nous n'avons pas de triture pour nous organiser, et puis c'est l'on arrive dans le pouvoir, nous allons tâtonner. Nous allons hésiter, nous allons garder, ça n'a pas fait. Non. Il n'a pas fait aucun sens. Il n'a vraiment pas fait aucun sens. Donc c'est depuis à la base, au niveau des partis politiques, pour nous, effectivement, montrer ça nous allons faire. Le nous gain pouvoir nan men. C'est là j'en ai dit hein, faut gagner de nouvelles idées, de nouvelles approches. Monde l'a changé. Il y a de nouveaux défis. Nous à l'ère de la postmodernité. Bon alors entrer dans considération conceptuelle et Jean-François Lyotard bagay. Non, attendez mais nous pas qu'à faire comme si nous pas non comme si nous monde civilisé. Nous pas qu'à faire comme si tout doit se faire à l'haïtienne et à l'haïtienne c'est du n'importe quoi. C'est la théorie de l'à peu près. On voit que bah l'assemblée avait le bon. Nous pas qu'à comme ça. Donc mon cap fait politique depuis à la base. Faut qu'on minimum d'organisation. Même j'en tout, on peut tirer la valace. On ne pas forcément discuter sur nos partis, mais comment on peut tirer les PHTK? Comment pour on a l'aise pour nous défendre, on peut tirer les PHTK? Qui veut dire qui ça? Qui ça non ça dit sous idéologie parti? Nous pensons à ça? Si nous avons des correspondances entre nos partis avec l'idéologie, il faut nous courir pour partir ça. Et rapide, pour nous craser lui.
n'est pas normal. Pas parce que nous juste besoin de faire partie de nous, nous juste besoin d'éloigner nous de principes, on fait du n'importe quoi. Nous pas qu'à organiser nous depuis la base. Discussion et tripotaille, intrigue, manœuvre déloyale depuis notre partie et puis nous pensons que nous pouvons mal faire. Non, mais il faut quand même un minimum d'organisation depuis à la base. Et là, nous avons grandi confiance et puis nous pouvons voir effectivement qu'on n'a pas faire. Qu'on n'a pas faire. Donc, nécessairement, je pense que la bataille est alliée. Et je m'inscris dans la dynamique de la bataille pour que, et, pour que soit émergée une nouvelle classe et, politique et pas qu'il y ait une nouvelle classe politique sans que pas qu'il y ait une nouvelle émergence, une nouvelle opinion publique. Donc, il faut que de l'autre monde qui parle dans les médias, il faut que des monde qui sont responsables, il faut que des monde qui parle moins brasseur dans les médias, il faut que des monde qui baille place pour le savoir, pour la science, il faut que des monde qui soient à l'aise avec les données scientifiques, il faut que moins monde qui baille menti dans le micro. Et c'est là véritablement on est capable au moins voyer signal que nous voulons l'autre Haïti. Donc enjeu c'est l'allié. Il faut nous prendre responsabilité nous. Moi même je pensais que ouais pour pendant qu'un antigène très virulent et le montrer dans perspective Georges Bernard Cholan. Je dis les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent et pour les mêmes raisons. Eh bien, sous changer couchette là, et parce que vous pissez la donne, ou bien vous toilette, petit bébé la donne. Et c'est même gens tout, si vous avez changé un homme politique, c'est parce que pas un résultat. Tout c'est un. Bon, pire fois c'est matière, vous voyez. Donc, si c'est matière, vous voyez, il faut que vous changez tout simplement. Merci à tout le monde qui t'a suivi avant-dernière édition pour ce maintenant de l'émission Café Show. Nous t'es au début parlé de match Haïti qui a fini pita à 10h. Et le témoin vraiment parti pour une de. Et Gold Cup ça dans façon parler nous vraiment font bon travail font qu'a dit peut-être nous oui n'a amélioré parce que nous pas penser que nous fait assez mais équipe sport équipe cap commenter match yo vraiment au diapason yo vraiment solide un gros coup de chapeau à Rico Saint-Il à Stanley Léandre à Closy Chéri et à toute direction qui a supporté l'initiative qui a supporté et programme ça et tout sponsor autour et à tout le monde qui a pour rejoindre nous comme amis qui a participé avec nous parce que là quand même c'est ce n'est que partie remise puisque nous t'a doué bon par contre si on fuit en avant m'a fait direction à parler de ça nous t'a supposé on pointe pour la coupe du monde féminine parce que pas carré rendez-vous ça définitivement. N'a pas travaillé pour nous capable porter effectivement yon j'en dis hein ça même pas pour ces dômes effectivement yon bon événement pour vous-même. Non pas c'est Marcus Collard, rendez-vous demain pour dernière sortie émission Café Show pour ce maintenant. Merci à Samuel, restez à l'écoute de Le Témoin 93.5 là puisque il y aura le bulletin d'information avec Zaviera Eli qui est déjà en route cap vinn l'île pour nous. Radio Le Témoin, potez pour, Café chaud. Yo matinal concentré, 100% pur jus pour plonger en actualité haïtienne. Pour faire politique, il faut faire du politique. Politique, économie, société, invité, Café chaud. Sorti lundi pour arriver vendredi, 8h pour 10h matin, Café chaud. Senti bon, tout chaud, sous 93.5 FM.